Les questions socialement vives que nous utilisons avec l'acronyme QSV constituent aujourd'hui des questions émergentes qui suscitent de nombreux débats dans notre société. Les réponses à ces questions sont un enjeu important pour l'avenir de nos sociétés et de notre monde. Les questions qui font débat en lien avec la nature et notre environnement sont nombreuses. Certaines suscitent parfois de vives oppositions dans lesquelles peuvent se cristalliser des prises de position, des combats voir des désobéissances civiles. On pourrait citer et revenir sur les luttes contre les OGM, contre le nucléaire. On pourrait citer également euh, la malbouffe de José Bové ou bien encore les arracheurs d'OGM. Il existe de nombreux autres exemples de questions, de controverses autour de questions liées à l'environnement, euh, euh, liées à la pollution, à la protection des paysages. Plus récemment, les questions autour du barrage de Sivens, autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou bien les questions de la ferme des mille vaches sont une illustration de, de ces questions de société, donc, qui ne sont pas propres à notre, à la France d'ailleurs, et dont les réponses ont du mal à se construire et euh, à, à trouver des, des portes de sortie. Donc quelles sont ces, ces questions socialement vives, environnementales liées au développement durable? Euh, elles peuvent être rattachées à une diversité de, de champs. Donc il peut s'agir de questions agricoles, les OGM, les différentes formes d'agriculture, l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique, l'agriculture de précision, euh, la question des algues vertes en bretagne est un autre exemple la question de la réintroduction des ours dans les pyrénées ou euh, aujourd'hui l'arrivée du loup de manière massive ou encore euh, la question de la disparition des abeilles sont des questions qui suscitent des, des controverses des difficultés on ne sait pas pas ce qui se passe exactement on a du mal à, à faire le contour et à trouver des solutions sur ces questions également des questions énergétiques les agrocarburants les gaz de schiste le nucléaire l'éolien ou des questions de santé on a tous entendu parler du bisphénol ou des effets des ondes téléphoniques certaines de ces questions recouvrent l'ensemble des champs hein. l'exemple des nanotechnologies est un exemple qui a des conséquences aussi bien en termes énergiques, dans, dans le champ de l'énergie que sur les questions de santé et voire d'agriculture. À partir de là, on peut s'interroger sur quelles sont les caractéristiques des questions socialement vives. Ce sont des questions qui sont porteuses, d'abord, de, de controverses et d'incertitudes. C'est-à-dire que les argumentations scientifiques, elles sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes pour trouver un accord sur l'état de la question et trouver des solutions. Ce sont des questions aussi qui sont euh, qui sont porteuses de risques. C'est-à-dire que euh, on a du mal à évaluer. on ne sait pas évaluer quelles sont les conséquences euh, de ces problèmes sur notre environnement, sur euh, notre environnement naturel, social et économique. il y a des enjeux importants derrière. ce sont également des questions complexes interdisciplinaires. Ce ne sont pas que les sciences qu'on a l'habitude d'appeler expérimentales qui sont concernées. Ce sont aussi les sciences sociales. Ce sont aussi des questions d'éthique, de, de philosophie, des questions politiques. C'est admettre que, en ayant des conséquences économiques et sociales, ce sont finalement des questions citoyennes. De plus, ces questions sont ce qu'on qu les qualifie de questions situées. C'est-à-dire qu'elles sont contextualisées à un contexte historique spatial social qui font que elles ne sont jamais totalement reproductibles à l'identique euh, et il n'existe jamais une seule solution euh, unique pour, pour ces questions-là. l'exemple du loup est quelque chose d'intéressant parce que la question du loup elle existe par exemple en suède et en france mais à chaque fois le contexte fait que euh, effectivement les problèmes ne sont jamais totalement comparables et en plus sur toutes ces questions à chaque fois on a une médiatisation très forte euh, avec souvent des effets de dramatisation euh, qui font que euh, la concertation est rendue aussi difficile du coup, quels sont les raisonnements qui peuvent être euh, déployés sur, euh, pour répondre à ces questions socialement vives, euh, environnementales? tout d'abord, euh, il faut insister de s'interroger dans ces raisonnements sur le processus de fonctionnement des sciences et de production des savoirs. le couple progrès et science ou technosciences n'est plus un couple idéal qui fonctionne. beck nous a bien ulrich beck, un sociologue allemand, nous démontre bien que la science, certes, elle est nécessaire et, et elle produit des avancées, mais en même temps, en avançant, elle produit de nouveaux risques. En faisant des avancées en termes sur, les, sur le nucléaire, ben, en fait, la science, elle a créé de nouveaux risques. Et, et cette perception des risques, c'est aussi un des éléments d'analyse du raisonnement. Euh, Marie Douglas, une sociologue euh, anglo-saxonne, nous a bien montré que la perception des, ris des risques varie selon les individus. Certains sont plus riscophobes ou riscophiles. Et cette perception des risques, elle varie en fonction des cultures des individus. Il y a un impact culturel sur cette perception des risques. Du coup, dans ce raisonnement, on va aussi insister sur les dynamiques d'acteurs, puisqu'on a une multiplicité d'acteurs qui sont engagés sur ces questions-là, puisque dans les savoirs mobilisés, on n'a pas seulement des savoirs scientifiques, mais on a aussi euh, des savoirs locaux, sociaux, professionnels. Euh, du coup par exemple sur la question des abeilles et eh bien aussi bien les apiculteurs que les agriculteurs ou les firmes agrochimiques sont concernés autant que les chercheurs et du coup la constitution de ces réseaux on peut penser aux travaux de bruno latour sur les réseaux d'acteurs sur les cartographies de controverses permettent de déterminer quels sont les enjeux et les intérêts de ces différents acteurs pour comprendre les positions Enfin, ces questions ont des dimensions éthiques et axiologiques importantes et du coup, ça veut dire que ce sont des questions citoyennes sur quel monde on veut, quel monde on souhaite, quelle société on a envie pour lequel on va combattre et du coup, ces questions sont aussi des questions politiques et s'interroger sur la régulation, sur la gouvernance dans une société de ces questions, comment vont se construire les interactions entre les gens pour essayer de trouver euh, des, des voies de sortie, de solutions, euh, euh, est un élément important. Du coup, nos enjeux éducatifs sont en tension entre, d'un côté, un apprentissage scientifique, que nous, sur les questions socialement vives, on appelle un, un apprentissage qui est plutôt refroidi. Les controverses sont, pas, sont peu émergentes à ce niveau-là, puisqu'on est souvent sur des concepts scientifiques qui sont nécessaires. Et puis, plus on va vers un autre pôle qui serait plus d'une citoyenneté scientifique, où là du coup les questions de, euh, les questions plus complexes de raisonnement, de philosophie, d'éthique sont des éléments importants euh, qui vont euh, induire qu'on met plus d'interaction, plus de débat dans le processus de formation et d processus d'information et, et d'instruction qu'on fait et d'enquête sur ces questions- là finalement pour arriver à promouvoir, à aider à une prise de décision des individus. Du coup, euh, quels sont les, les enjeux éducatifs sont variables sur ces prises de position puisque on a une intensité dans, dans l'engagement, les Anglais parlent d'empowerment sur la capacité des individus à se saisir des questions depuis une motivation, l'implication, l'engagement pour aller jusqu'à l'activisme, jusqu'au militantisme parfois, sur une diversité de dimensions des, de, 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 de l'engagement qui peuvent être l'intention d'agir, qui peuvent être la dimension collective, qui peut être aussi une dimension critique. Est-ce qu'on peut avoir un militantisme Est-ce qu'il nécessite aussi une dimension critique et donc finalement, euh, pour nous, les questions, ces enjeux environnementaux qui émergent dans des questions socialement vives, qui peuvent apparaître dans un premier, ap un premier approche des, presque des questions d'actualité diverses, derrière se cachent de nombreux enjeux épistémologiques, économiques, sociaux, politiques, citoyens, éthiques, et la réponse à ces questions constituent des enjeux majeurs sur lesquels il faut former les gens pour construire notre société de demain et le monde et la manière dont il peut se réguler.